Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Shazen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Shazen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en cancer qui est au carré de Jupiter en bélier. Donc les émotions cancer vont alimenter nos actions bélier. Et inversement, nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer de swinguer. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Shazen pour ce mois de juillet. Amis Balance, et au sein de la sagesse des royaumes cachés, s'est retournée la carte de la gardienne des balances. Vous avez un excellent tirage. En fait, pour l'instant, tous les tirages sont excellents parce qu'ils ont tous un point commun. Ils promettent un succès, ils promettent une évolution significative, ils promettent une réussite qui permet de passer au stade suivant. Là, on a une session pour juillet qui, pour chacun des signes, apporte quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Et vous, le 7 de Pentacle, il y a eu une surenchère avec le 8 de Pentacle, ici à droite. C'est-à-dire que, et c'est ressorti d'ailleurs après dans le Wheel of Year, avec le 8 de Pentacle, la force, l'association de la force et du 8 de Pentacle. Vous avez fait preuve de patience. Vous vous êtes concentré pour que les choses évoluent dans la bonne direction. Et la gardienne des balances, comme tout ce tirage, vient vous dire que, oui, vous allez parvenir à l'équilibre, si cher à la balance. Vous allez parvenir, oui, à réaliser certains de vos rêves. Les étoiles, elles sont, elles aussi, sorties dans ce tirage. Mais avec la renaissance au centre, d'emblée, les cartes l'ont dit, vous arrivez d'un endroit où il n'y avait pas cet équilibre. C'est un excellent tirage, cet équilibre y revient. Les étoiles comme défi, on a le 4 de bâton à la base de tout ça, il y a de l'harmonie déjà. Vous avez travaillé ce que vous avez pu. Et ce qui était difficile, vous avez semé des graines pour que ça change. Et tout ce tirage, il vient vous dire que vous avez atteint le moment où l'équilibre va se créer. On a d'ailleurs deux as qui sont sortis aussi, dont l'as de bâton ici, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'as de pentacle qu'on a ici. Il y a d'excellentes perspectives. Mais vous partez de loin parce que cette position d'emblée, elle a dit, c'est ici que se situe le problème. 7 de coupe, reine de... 7 de coupe, roi de bâton, diable, 10 de pentacle. Alors, cette position, elle est particulière parce que... Alors, le diable, c'est une carte qui a des aspects positifs comme négatifs. Ici, en s'intercalant entre le roi de bâton et le 10 de pentacle, c'est une carte qui vient dire que vous n'avez pas le choix, il faut que ça réussisse. Ce roi de bâton, face aux possibilités, aux opportunités, n'avait pas le choix, il fallait absolument qu'il obtienne un résultat. Vous ne pouviez pas vous permettre de vous investir dans quelque chose
qui rapporte des nèfles. C'est le cas de le dire. Le diable ici vient dire, vient exiger de ce roi de bâton qu'il choisisse quelque chose qui rapporte des résultats. On a le 7 de coupe et au-dessus, on a les étoiles qui sont ressorties et le 2 d'épée. Mais ça a nécessité des choix très difficiles. C'est ce 10 d'épée ici aussi qui en parle. 4 de bâton, il y a de l'harmonie avec les autres. 10 d'épée, il y a la fin d'une époque difficile ici au centre. Et la patience, 7 de pentacle. Vous avez dû faire des choix très difficiles. Le diable, la reine de pentacle et la force. Peut-être pour soutenir quelqu'un. C'est-à-dire que tant que tes projets à toi n'avancent pas, ben, moi je dois mettre en veilleuse certains de mes projets. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque que tes projets n'avancent pas et les miens non plus. Ici, c'est pas une mauvaise carte, hein, le diable. Ça signifie simplement qu'il y a une... Il était nécessaire que vous fassiez ça avec une personne, que ça se passe bien. Le 4 de pentacle, ici, dès le départ, le dit. À droite, on a 2 de pentacle, 7 de pentacle, chevalier de coupe et 2 de bâton. Le chevalier de coupe, il était au dos quand est sorti le silence, quand est sorti son... On t'est sorti la carte des étoiles du tarot au Shozen. Et le 7 de pentacle, il est sorti ici. 2 de pentacle, 2 de bâton. C'est... Ici, 2 de pentacle, 2 de bâton, ça crée l'impression au jour le jour. C'est... comme tant qu'on ne sait pas les résultats que va obtenir cette reine de pentacle que je soutiens, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez dû combattre quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Mais si vous avez dû combattre quelqu'un, vous remportez la victoire. Ici, il y a quelque chose qui n'évolue qu'au jour le jour. Mais on y croit profondément. On se dit, vaut mieux ça que rien. Ici, 2 de pentacle, 7 de coupe, il y a vraiment l'idée de faire petit joueur. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir... je peux pas... Ça se comprend mieux en termes d'argent. C'est-à-dire que si j'investis 10 euros, j'en gagne 100. Mais si j'investis 1000 euros, j'en gagne 10 000. Mais vous, vous ne pouvez pas prendre le risque de mettre 1000 euros. Parce que vous ne savez pas quand vous allez toucher les 10 000. Si vous mettez 10 euros, vous avez 1000 à la fin de la journée. Vous avez 100 à la fin de la journée. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée, je ne peux pas prendre de risque dans mes objectifs. Il vaut mieux gagner petit, 2 pentacles, 2 de bâton. Mais 10 de pentacle, ça fonctionne à tous les coups. J'ai investi 10 euros à la fin de la journée, j'en ai 100. Plutôt que d'en investir 1000 et de devoir attendre peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ici, étoile, char, reine de pentacle, ermite. Ça vient aussi parler de cette baisse de prétention. C'est-à-dire que vous êtes en route vers vos rêves, vous le savez. Mais pour garder la maîtrise de la situation, il y a cette idée de « je fais les choix nécessaires ». L'ermite sur la reine de pentacle, c'est la reine de pentacle qui se dit que je pourrais, je suis ici, je veux aller là-bas, je pourrais faire le voyage en une fois. Mais il y a un risque quelconque à le faire en une fois. Il vaut mieux que je fasse progressivement. Là aussi, voilà, il y a l'idée « je peux être auto-entrepreneur et faire bien ce que je sais faire ». Ou avoir en tout cas une toute petite entreprise. J'ai le choix entre avoir un commerce et je vends ce que je sais faire bien, ou je fais réaliser ce que je fais bien, je le fais réaliser par une usine. Ce ne sera pas de la même qualité que ce que je fais toute seule, mais je monte une multinationale dès le départ. Ici, il y a vraiment cette idée-là, 10 d'épée. Le 10 d'épée, il vient dire que vous renoncez à quelque chose au nom à la fois des projets d'avenir et de ce qui existe. Là, le 10 d'épée, en s'intercalant ici, il dit que les situations difficiles, elles ont été prises pour préserver l'harmonie et préserver ce qu'il est possible de faire ensuite. Et c'est là. On a 9 d'épée, page de bâton, 6 de bâton, transformation. Ben oui, mais gagne petit, gagne solide. C'est les 100 euros que vous avez gagnés chaque jour, vous en avez mis une partie de côté. Et à un moment donné, vous pouvez dire, j'investis les 1000.
je continue à gagner ma petite somme parce que j'ai créé une réserve pour ça. J'aime pas tellement les exemples financiers, mais c'est ça. C'est-à-dire que 9 d'épée, page de bâton, 2 de pentacle, 7 de pentacle. Pas à pas, vous avez construit ce qu'il est possible de faire. Maintenant que vous avez une boutique qui fonctionne avec de la clientèle qui fonctionne, oui, vous pouvez envisager certains de vos produits, les faire produire en série par d'autres personnes. Vous pouvez tenter cette aventure-là, de se dire, si mon produit plaît autant autour de moi, il va plaire à beaucoup de gens. Donc je vais tenter l'aventure plus gros, plus grand, et donc plus casse-gueule. 6 de bâton, transformation. C'est une technique qui vous a réussi. Chevalier de coupe, 6 de bâton, 9 de coupe. C'est quelque chose qui vous réussit. On avait d'ailleurs le soleil au dos de cette position et de cette position. Ici, on a le 2 d'épée, le 3 d'épée. Ça, c'est toutes les difficultés que vous avez traversées. C'est le 10 d'épée. C'est faire des choix difficiles par rapport à ses rêves. C'est roi de bâton, char, 3 d'épée. Il y a des moments où vous vous êtes dit, je vais viser plus loin. Et puis, vous vous êtes dit non. Il faut qu'on mange à la fin de la journée, je vais gagner petit. Je vais me contenter de petit. Ce 3 d'épée, c'est toutes les fois où vos choix, vous vous êtes dit, ça ne m'emmène pas là où je veux aller, ça me maintient là où je suis. Mes forces, 8 de pentacle. Ici, on a l'aboutissement d'efforts sur le long terme. C'est pour ça que l'exemple financier s'implique bien. Parce que ça fait longtemps, longtemps, que vous préférez tenir plutôt que courir. Tiens, c'est ça ce tirage. C'est à force de tenir plutôt que courir, parce que vous le tenez par le bon bout et vous le tenez de manière solide. Dix de coupe, as de pentacle, 9 de coupe, empereur. Quand j'ai vu 9 de coupe, je me suis dit, oh, ça suffit, arrêtez d'en jeter. Mais 10 de coupe, 9 de coupe, as de pentacle. La métamorphose est très rapide. Le 10 de coupe sur le 9 d'épée, c'est pour bien dire que la renaissance est là. Qu'à un moment donné, ce que vous tenez par le bon bout, vous allez le voir vous mener vers tellement mieux que as de pentacle, 9 de coupe. Ici, on a le jugement. On a une forme de résultat. On a 11, on a la justice. On a 19. On a 10, on a la roue qui tourne. Ça se fait d'un coup d'un seul. Empereur, c'est vos décisions qui vous mènent là. C'est toutes les fois où vous avez fait des choix difficiles. La transformation, l'empereur. 2 de bâton, transformation, empereur. C'est tous les choix difficiles. 2 d'épée, 3 d'épée, 10 d'épée. Toutes les fois où vous avez renoncé en vous disant « Oui, ce serait intéressant, mais j'aurai le résultat dans 4 mois. » Et là, il me faut un résultat maintenant. Le 8 de pentacle qui revient, avec un 8 d'épée, un 6 de coupe, un 4 de pentacle et un 8 de bâton. En fait, ce tirage vient vous dire que la principale difficulté, ça va être de garder la cohésion de départ. Ce tirage, il est possible que là, maintenant, vous soyez face à des choix difficiles. C'est soit vous misez sur la cohésion, vous misez sur ce que vous avez, et dans l'avenir, ça va évoluer dans la bonne direction. Là, ici, c'est toutes les difficultés auxquelles vous avez fait face qui sont ici. Pour certains d'entre vous, elles sont bientôt derrière vous. 8 d'épée, 8 de bâton. 6 de coupe, 4 de pentacle. Comment j'arrive à motiver les troupes en leur disant « gagne petit ». En leur disant « oui, on pourrait investir maintenant pour récolter dans 6 mois ». Mais on ne peut pas se le permettre, c'est maintenant pour dans une semaine. Ici, c'est les difficultés que vous avez, que cet empereur a eues, renaissance. Et à mon sens, dans cette situation, c'est vous qui avez porté beaucoup de choses sur vos épaules. C'est-à-dire que même s'il y avait quelqu'un d'autre d'inclus, c'est soit il y avait une bataille contre cette personne, il fallait gagner cette bataille, c'est-à-dire qu'il fallait convaincre l'équipe que votre choix était le meilleur. Et c'est peut-être aussi ça la difficulté. Le roi de bâton, la reine de pentacle. Comment convaincre les autres que c'est moi qui ai raison si l'autre a un discours différent? Mais l'as de bâton, le 7 de bâton, le chevalier de pentacle, l'impératrice et le 4 d'épée. Restez vraiment concentré sur l'objectif.
de tenir la situation dans un état d'harmonie, d'équilibre, qui permet... Ici, ce 4 d'épée, c'est pour bien vous dire que toute votre réflexion doit être tournée vers ce qui vous est possible de faire, ce qui se révèle pérenne parce que pas à pas, vous avez construit les choses. À mon sens, c'est d'ailleurs... ça se débloquera parce que les autres, vous avez des résultats, de plus en plus. Vous avez quelque chose qui est en train de grandir et qui devient visible. Ce qui va vous permettre de trouver les mots pour convaincre les autres que oui, vous tenez le bon bout. Et que oui, on pourrait courir ailleurs, faire autre chose, plus grand, plus... Mais que là, vous tenez le bon bout et que ça va aller en direction de ce que vous voulez. Parce que vous n'avez pas choisi pour grimper la montagne, il y avait le chemin que tout le monde prend. Problème, il y a une bande qui rackette et qui tous les virages vous demande de payer. Alors vous aviez économisé, vous aviez de quoi payer le trajet, et vous avez préféré faire l'ascension difficile. Celle où vous faites tout seul. Parce que la bande, elle vous rackette pour passer le pont, elle vous rackette pour... je ne sais pas, vous voyez, il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous avez choisi un chemin plus difficile, plus ingrat, 10 d'épée. Mais les choses sont en train, les étoiles, la gardienne des balances, les choses sont en train de s'aligner. Elles sont en train de s'aligner parce que vos efforts commencent à apporter des résultats. Donc, il faut tenir ici. Il faut tenir dans ce tirage. Il faut tenir et se dire, maintenant, je fournis l'effort, la récompense viendra plus tard. Elle viendra ensuite. D'ailleurs, vous avez au dos du tarot Shōzen, vous avez le succès, le 6 de bâton. Vous aviez le roi de coupe aussi qui était au dos, sur la fin du tirage. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un. Et jusqu'ici, vous avez trouvé, bon an, mal an, vous avez trouvé des personnes. Et à force de changer tous les jours de partenaire, parce que bon, vous en trouvez comme ci, comme ça, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous dit, d'accord, c'est parti, on fait ça sur le long terme, ça va changer. Ici, quelle que soit la solution de rêve que vous cherchez, elle arrive. Hein, et elle arrive de ce que vous avez accompli au quotidien. De vos efforts quotidiens. Si pour certains d'entre vous, vous avez mis en veilleuse vos projets pour aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, hein, ça arrive parfois dans les couples, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va privilégier sa carrière, l'autre va assumer le plan personnel, familial. Et puis à un moment donné, quand la carrière est bien lancée, à ton tour, vous voyez, l'entraide. Ici, vous vous êtes engagé dans quelque chose qui va vous mener loin. Alors, commitment, j'en parle comme une relation, parce qu'il y avait ce diable entre la reine de Pentacle et le roi de bâton. Mais dans les faits, c'est les intentions, les cœurs... Et l'univers, il vous offre des étoiles et celles que vous choisissez. Hein, vous vous engagez avec l'univers, il vous a offert cette opportunité en réponse à une de vos intentions. C'est aussi une carte de relation. Donc, que ce soit dans le cadre d'un engagement avec quelqu'un dont vous vous mettez à douter que ça apporte un jour des résultats, ou que ce soit parce que vous avez l'impression qu'à faire au jour le jour, vous n'avancez pas, dites-vous bien que vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Le côté pas à pas, au jour le jour des choses, font que jour après jour, c'est un peu plus solide. Chaque jour, vous enfoncez le clou. Et la barque devient beaucoup plus solide. C'est quelque chose qui est... Le diable, en fait, la force, c'est un axe. Quand le diable est en rapport avec la force, c'est toujours quelque chose de difficile. Parce que ça fait appel... Il faut savoir briser des conditionnements pour utiliser correctement nos ressources. Il faut savoir s'arrêter. Hein, s'arrêter au bon moment, c'est-à-dire de ne pas vouloir forcer quelque chose. C'est toujours quelque chose qui est difficile. Et c'est pour ça que le 8 de Pentacle est à droite. Parce qu'il va garder l'équilibre
était déjà un enjeu. Vous avez réussi à garder l'équilibre. Maintenant, fort de cet équilibre, vous allez commencer à construire sur cet équilibre. Ouais. Vous avez... Ici, la plus grande peur que vous avez... Alors, je vous le répète, vous avez eu les étoiles, la gardienne des balances. Vous avez l'as de bâton ici à gauche. Parce que votre plus grande peur, c'est les résultats. Vous avez vraiment peur de vous être investi en vain. Vous avez vraiment peur finalement d'avoir vécu qu'un truc qui sera dans la survie qui ne changera pas. 2, 3, 4. Le 8 de pentacle à droite, les choses vont changer. La transformation, elle va se faire d'un coup d'un seul. La situation va tout d'un coup s'améliorer parce que ça y est, ça commence à grandir, les résultats sont là et les résultats vont faire boule de neige. Au fond de vous, vous savez ce qui est juste. La gardienne des balances, tous les efforts que vous avez fournis ne sont pas perdus. Si vous rectifiez le tir sur quelque chose maintenant, ça va faire évoluer la situation. Cessez 8 d'épée, cessez de vous tracasser. Tenez-vous-en à ce qui est important pour vous, à cette harmonie. Restez concentré. Ouais. Chevalier de Pentacle, 7 de bâton, chevalier de Pentacle. Continuez de croire à ce que vous faites. Et continuez de nourrir ça, impératrice, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable d'être. Parce que c'est l'expression de ce que vous êtes hein, qui vous permet de vraiment prendre la maîtrise de cette situation. Si vous agissez, on va dire de manière créative, authentique, impératrice, Sparks, ici c'est de l'authenticité, ici c'est de la créativité. Vous viendrez à bout de cette situation. Ici, vous êtes en train de construire quelque chose de solide et c'est pour ça que ça vous fait peur. C'est pour ça que ça vous fait peur. Restez concentré sur vos intentions. Vous savez à quoi vous en tenir sur vos intentions. Je tire 2 cartes. Les résultats, ils vont venir d'un coup, d'un seul. Tant qu'ils ne sont pas là, vous aurez l'impression de piétiner. C'est ça hein, qui vous entraîne vers le bas. C'est le fait que tant que vous n'avez pas 10 de pentacle, tant que vous n'avez pas une preuve matérielle que vos efforts n'ont pas été faits en vain, vous avez l'impression de piétiner. Non, non, non. Continuez d'être dans la victoire. Continuez le 6 de bâton aussi à 2 reprises. Ce chevalier de coupe, c'est l'attitude gagnante. Je vous l'ai dit, il était au dos quand j'ai tiré les étoiles. On finit avec le 6 de bâton. Et là, le chevalier de coupe, 6 de bâton, 9 de coupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sera indéniable. Ce sont vos efforts qui ont amené les résultats. Et ce sont vos résultats. Et à partir de ces résultats-là, toutes les portes seront ouvertes. Attendez le bon moment. Le bon moment, il est là. Oui, il y a des choix encore difficiles à faire, mais c'est ces choix difficiles qui active la transformation. Vous savez, c'est le proverbe, ce qui est fait n'est plus à faire. Et vous, ici, vous devez encore affronter ces choses que vous n'avez pas envie de faire. Alors vous vous raccrochez au proverbe, ce qui est fait n'est plus à faire, vous faites les derniers choix difficiles, et empereur, vous serez dans une position où ça y est, le plus dur est derrière vous. Maintenant, 7 de pentacle, j'arrose. J'arrose ce que j'ai planté. 8 de pentacle, je récolte ce que j'ai semé. As de bâton, il y a le nouveau départ, il y a quelque chose de pérenne qui se met en marche. Ça va venir d'un coup d'un seul. Hein. Voilà. Il y a des derniers choix à faire. Ces derniers choix, ils sont cruciaux. Parce que c'est pas pareil si vous n'abandonnez pas certaines choses... ressources. Là, ici, il y a l'idée de mobiliser ces ressources. Si vous continuez de perdre vos ressources, si vous insistez dans des choses qui ne sont plus la pièce maîtresse ici qui est en train de se développer dans votre vie, le projet phare. Ouais. Affronter les derniers choix difficiles, les choses vont se débloquer grandement après. Il va y avoir un effet boule de neige.
Saisissez les occasions que vous... Oui, c'est difficile de renoncer à certaines choses. Parce que c'est ça hein, qui vous est demandé avec le diable. Le diable, 2 d'épée, 3 d'épée. Il y a certains choix que vous voudriez faire, vous ne pouvez pas les faire. C'est vous voudriez, mais c'est impossible. 3 d'épée. Donc vous êtes obligé de vous contenter de ce que vous pouvez obtenir. Peut-être, oui. Peut-être que vous avez du mal à obtenir des ressources de personne. Mais ça va, si c'est le cas, ça va changer. Avec le roi de coupe, il y a l'idée d'un mécène, il y a l'idée de quelqu'un qui vient sur la situation et qui vous donne ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il faut qu'il voit finalement que vous en avez besoin. Ou que vous en êtes capable. Vous êtes quelqu'un à qui il faut prouver que vous êtes capable. Et vous en avez les capacités ici, de prouver que vous en êtes capable. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.